Cette balle. Il y a une balle pour chaque homme. Et un lieu et une heure. C'est la fin. Oui, ça devait finir comme ça. Inspecteur, vous en savez visiblement trop sur moi. Je ne peux pas fermer les yeux là-dessus, même dans la tombe. Et on se retrouve avec notre agent 47 et petit briefing de Diana. C'est Diana. Votre prochaine mission vous amène à Paris. À l'Opéra d'Orléans, plus précisément. Il y a 3 cibles et elles seront toutes à l'Opéra vendredi. La première cible est Philippe Berceuse, le ténor portugais. Il jouera Mario Cavaradossi dans La Tosca. Son ami de toujours, l'ambassadeur américain Richard de la Hunt, assistera à l'opéra en compagnie d'un autre de leurs amis, l'inspecteur Albert Fournier de la police nationale. Les 3 cibles doivent être éliminées. Nous avons déposé pour vous un colis au vestiaire sous le nom de Flesh Fisher. Il contient du matériel utile ainsi que des informations complémentaires sur les cibles. Bonne chance, 47. Il y a une belle somme d'argent à ramasser sur ce coup. Alors, pour information, il s'agit bien sûr de la dernière mission. La mission dans l'appartement où on a vu quasiment toutes les cinématiques du jeu. Il faut savoir que donc, ce qu'on suppose, c'est que 47 a réussi à tuer donc l'ambassadeur Richard de la Hunt et Philippe Berceuse, mais qu'il n'a pas réussi à tuer Albert Fournier. Donc je suppose qu'en fait, en essayant de le tuer, il s'est pris une bonne balle dans le ventre, et que du coup il s'est remémoré le temps qu'il se rétablisse de toutes ses anciennes missions, donc des missions de Hitman premier du nom avec des petites exclus. Donc voilà, je fais un petit peu un point dessus. Il faut savoir que les dernières missions du coup ne jouent pas sur cette mission là, c'était des souvenirs. C'est pour ça que j'avais dit que Hitman Contract n'est pas forcément un épisode à avoir, mais si vous avez de la difficulté à faire Hitman Condemn 47, autant faire Hitman Contract qui est bien, bien meilleur. En tous les cas, donc il faut rejoindre l'aéroport Charles de Gaulle, mais il faut bien sûr tuer l'inspecteur Albert Fournier, et on va le faire ça sans Solus. Normalement, je me rappelle bien comment on fait. Allez, c'est parti. Alors là, je vais prendre ma mallette. Les munitions. Ah ouais, là ça... Là, je sors, je suis mort. Hein. Par-delà les fenêtres, je vais me faire tuer. Alors du coup, où est-ce qu'on pourrait sortir là? On pourrait. Ok, moi je vous dis, on est mort. J'ai eu le temps de rien faire. Alors hop, on refait ça. Cette fois, on avance dans le couloir. Ok, non, c'est pas ça. On va se faire buter. Ok, on va par là. Ok, là. On va essayer de se... Ah oui, effectivement. Là, ils sont pas trop d'accord non plus. Ok. Ok. Là, waouh. On va sauter sur le balcon. Moi, je vous le dis. Ok, les gars. On est un peu dans la merde là, mais bon. Est-ce que... Donc là, normalement, je peux passer aussi par là. Je dis bien normalement.
Allez hop, on va tenter quand même. Ok, non, on va pas le... Laisse-moi le trouver. J'aimerais bien flinguer un mec, là, juste maintenant. Allez, viens là. Ok. Il va arriver le mec. On cache et on cache. Vas-y, dépêche-toi, il va arriver. Ok. Là, on lâche le corps, on prend les vêtements. Ok, on va attendre le prochain. Donc c'est bon, là on est déjà sorti de l'hôtel et tout. C'est nickel les gars. Laisse-moi le trouver. J'aimerais bien. Ok. Lui c'est fait. Voilà. Ah c'est des CRS. Bah écoute. C'est parfait. On est pile poil on parle des manifs pour la loi travail et on tue les CRS. Pure logique. Écoute. En tout cas, j'ai réussi à m'enfuir déjà de cet endroit. Là je suis habillé en keuf. On peut commencer déjà à sauvegarder. Ça c'est cool. Maintenant il faut tuer l'inspecteur et se casser. Déjà on va éviter de perdre trop de vie comme ça. Voilà, on va reprendre la sauvegarde et on va descendre l'escalier. Humainement. Bien sûr. Voilà. Ok. On va passer Moi je dirais par là. Moi je dirais par là. Allez hop, au pif. À toutes les unités, tireur d'élite en position. Ok, un tireur d'élite en position. Pour notre gueule les gars. On va s'amuser. Oh oh. Qu'est-ce que je pourrais faire? Moi je dirais aller chercher le... Je crois qu'il y a un civil là-bas, je sais pas si c'est... Il est utile ou pas. On va aller voir ce qu'on peut faire là-bas avant de repasser dans les égouts. C'est vrai que c'est une mission assez... difficile. Bon, il vient pas là. C'est... Tu vas rester coincé ici, toi. Ah, il veut pas me laisser, il veut pas venir. J'en ai besoin, j'ai besoin de toi, mec. J'ai pas besoin de toi, fait. On va reprendre ça, on va passer par les égouts. Allez, pète pas les couilles. On va faire ça, je pense que c'est la dernière technique. Même celle-là, elle est pas mal. Oh, ok. Normalement, je devrais réussir. Ok. Faut savoir que cette mission, j'ai vraiment galéré à l'époque à la faire. Et j'avais fait un massacre. Je me rappelle bien. Ah, il m'attend d'ailleurs.
pas été tout à fait remarqué. On va essayer de le tuer sans se faire remarquer. Voilà, ici. Ça a l'air parfait. Et là-bas, là, il y en a un véhicule, là, on va pouvoir le récupérer. Moi, je vous dis, on prend un petit flingue comme ça, là. Merde. C'est... Putain, ils m'ont reconnu direct. Ah, fait chier, c'est pas ça. Bon, on va bien trouver, hein. Ah, ils ont entendu le coup de feu, quoi, direct. Bon, on va redescendre tranquillement. On va y aller délicatement, les amis. On va y arriver. On va y arriver, c'est moi qui vous le dis. Je pense que... Est-ce qu'on peut les attirer en tirant sur quelque chose? Je me rappelle que c'était possible. Ouais, on va tirer avec le... normalement, ouais. Ah, mais si à chaque fois tu me... Voilà, je me disais bien. Il y a une possibilité de faire quelque chose avec l'alarme de voiture. Ok. Là, normalement, la cible est toute seule. Ok. Oh, la voix de français, quoi. Ok, on se casse. Ok, les civils, ils voient rien, quoi. J'aurais cru qu'en fait, les civils... Ok. Est-ce que je vais me faire repérer? Non. Non, je vais pas me faire repérer là. On va se casser. On va se casser. La voiture pompier, elle est juste là, les amis. On va y arriver. Je sais pas ce qu'ils visent. ouais, je peux pas me casser ici en fait. De toute façon, normalement, je peux passer par là. Donc, je tue la cible. Tracker traqué, ça c'est clair. Ok. Ok, normalement. Moi, je me dis, j'ai envie de me casser avec la voiture. Donc, j'allais chercher le vêtement du. Ok, ni vu ni connu. Ok, allez, couvre juste la porte. Nickel, nous on va aller chercher le pompier. Du coup les civils ils nous voient pas en fait. On va chercher le pompier avec la petite seringue. Mais voilà, c'est une technique comme une autre. J'en ai vu plein sur internet et comme celle-là non, rarement. Ok mon ami. T'es un peu chelou toi. Ok. Je sais pas où tu te casses mais... Il va prendre son ambulance lui. Je lui ai fait peur, les gars. J'ai fait peur à un pompier. Écoutez. Mais moi j'ai envie de partir, tu sais, normalement, tranquillement et tout ça. Il devait encore me chercher à l'appartement. Ils ont pas encore remarqué que son... Que leur patron il est mort. Ils doivent croire qu'il fait une sieste. Ok. Bah écoute. Ok. Mais non, mais... Eh, mais c'est un cas, hein. Ils veulent vraiment pas que... Voilà. Que... D'accord. Non, je peux pas prendre la bagnole. Je peux rien faire, quoi. Mais je sors comment? Je peux pas sortir par là-bas, les flics vont me tuer.
J'ai pas le droit de tuer de civils non plus. On va essayer de l'avoir normal quoi. Mais... Eh, mais... Ah, il me pète les couilles, ce pompier, putain. Ah, le pied flippette, quoi. Mais c'est un truc de ouf. C'est pas possible, quoi. Voilà, mais non, mais franchement, putain. Oh, ça me pète les couilles. Oh, je vais essayer de sortir par là-bas et c'est tout. Je perds 4 ans là à faire une mission de merde. Donc on se casse par là et écoute. Bah, c'est toi, s'il fait qu'il me remarque. Bah, ils me laisseront pas passer, c'est tout. Mais là, je suis mort. Voilà, je suis mort, c'est obligé. Voilà, je disais bien, pas de la merde en fait. Faut vraiment que je chope le costume du pompier quoi. Je suis mort sinon. Putain, ils se reconnaissent quand même entre eux. Ils sont pas cons, hein. Voilà, moi je vais te pousser à l'intérieur là, vas-y. Casse ou quoi? Voilà. Là, on va sauvegarder, on va attendre qu'il fasse son petit ménage, ce mec. Voilà, allez, tourne-toi. Mais si, viens, putain. Ok, là. Voilà, c'est bon. Moi, je prends les clés de l'ambulance. Voilà, on se casse. On a la clé de l'ambulance, les gars. C'est bon, c'est nickel. Fallait juste récupérer la clé de l'ambulance. On l'a pas tué, hein. J'ai pas tué le pompier, hein, pour info. Normalement, il devrait pas me repérer. Et fuir en ambulance, c'est parti. Très discret, le 47. Y'a personne qui conduit. Y'a personne dans la voiture, gros. Et professionnel comme à chaque fois. Donc c'était l'ultime épisode, il me semble. Et là, je vous laisse le petit trailer de fin. Enfin, la petite cinématique de fin. Vous ne devriez pas être là. Vous savez ce qui s'est passé ? C'est pourquoi je suis ici. J'ignore qui les a informés. Je venais juste de quitter Paris. Et votre blessure ? Votre médecin m'a sauvé la vie. Il y a beaucoup de pression. Nous perdons des amis. Le FBI, la CIA, Scotland Yard, le MI5, toutes les polices européennes. Il se passe quelque chose dans les hautes sphères. Je vais me faire oublier, tant que l'agence n'a pas réglé ses problèmes. Si ça prend plus de 2 mois... Je chercherai un nouvel employeur. Ce n'est une solution ni pour vous, ni pour l'agence. Vous êtes au cœur du problème. Ils font pression pour vous atteindre.
Je le sentais depuis quelque temps. J'en ai eu la confirmation. Je sais maintenant d'où vient la pression. C'est une affaire sérieuse. Vous aurez assez d'argent. Sous votre siège. C'est encore plus ça ? Merci, mais non merci. Et comme d'habitude, merci encore à vous d'avoir suivi ce Let's Play sur Hitman Contract. On se retrouve rapidement pour Hitman Blood Money, qui est juste la suite de Hitman Contract. Donc voilà, petit générique de fin, tout ça. Donc cette mission, je l'ai fait comme je vous ai dit, sans solus, donc c'est pour ça que j'ai fait plusieurs chargées. Il faut savoir que c'est aussi une mission très buggée. Des fois, on tire sur le véhicule, il fait pas de bruit. On essaie de tuer le pompier, les civils à l'arrière, je sais pas comment ils font, ils déclenchent l'alerte. Normalement, voilà, j'ai testé une nouvelle technique. Normalement, on n'est pas obligé de sortir comme ça directement, de descendre, de buter. Non, tu peux le faire normalement sur un balcon ou tu peux descendre tout l'immeuble jusqu'à arriver à la porte de sortie, quoi. Mais bon, moi je voulais pas trop de sang, je voulais pas trop m'énerver sur ça, donc j'ai dit on sort direct dehors, on se casse la jambe ou pas, ou meurt pas, voilà, on tue le gendarme, le CRS, on prend ses vêtements, on tue l'autre et on prend la clé et on se casse en ambulance rapido. Voilà, donc c'était Uzo sur Hitman Contract. J'espère que vous avez apprécié ce let's play. Moi j'ai moyennement apprécié, j'aimais pas trop Contract, mais ça va, il est pas mal au final. Quelques années plus tard, ça donne vraiment envie de le refaire. Et franchement, merci à vous d'avoir suivi tout ça. Et on se retrouve pour Blood Money et pour d'autres let's play. Bisous.